Salut les Nakama, aujourd'hui on se retrouve sur l'île bonus pour faire le raid boss Barbe Noire. Alors c'est un personnage très intéressant mais aussi super chiant à faire, pardon. Donc on va essayer de le faire avec un NR. Hop, il y en a un level max ici. Bon, ma team bleue n'est pas du tout montée. J'ai des, on va dire, des assez bons personnages mais ils sont pas up. Donc au niveau de l'attaque c'est pas grandiose. On va essayer quand même. Allez, c'est parti. Donc l'avantage avec les deux NR, c'est qu'on récupère. On peut se faire taper dès le début, je pense. Hop. On va récupérer 2400 de vie. Donc certes, on va prendre un peu cher, mais on va vite la récupérer après. Hop. On va prendre le rôti au passage. Et on va le tuer. Oula. Ah, j'aurais pas pensé qu'il tape aussi fort hein, le deuxième. Ah, j'ai vraiment pris cher. Hop, on va essayer de se heal du coup. Donc là, je vous conseille de gagner un maximum de toits. Parce qu'après, ça va vraiment être compliqué quand on va arriver à Barbe Noire. Donc là, pareil, on regagne des tours. On va juste buter les crevisses ou je sais pas quoi là. Et on va laisser tourner les tortues. Comme ça, lui, au prochain tour, il est mort. Donc là, vous avez vu, déjà, j'ai récupéré toute ma vie par rapport au début. L'idéal, ça serait d'avoir un spécial NR, mais bon, ça va être compliqué, je pense, de gagner 25 tours. Mais bon, je pense que ça peut quand même passer. Moi, je ne veux pas vous cacher, j'ai essayé juste avant, j'ai foiré. Parce que j'avais pas du tout fait mes spéciaux. Hop. Et pour me remettre un peu dans le bain, je me rappelais plus du tout de ces techniques non plus. Alors, sachant que quand on va arriver à Barbe Noire, il va nous chaîne un personnage du bas. Donc à la limite, en bas, mettez vos personnages les plus pourris, quoi. Là, par exemple, j'aurais dû même descendre Jinbe à la place de Joz ou il y avait quelque chose à faire. Hop, en même temps, comme ça, je me suis fait des petites bulles bleues. Le pingouin, on va essayer de le laisser. Parce qu'à mon avis, c'est pas celui qui va nous taper le plus fort. Hop. Et voilà. Donc comme ça, on va en laisser deux. Le pingouin, il tape quand même. Hop, celui-là, on va voir combien il va nous faire. Oh bah non, c'est bon, il est mort. Donc là, je sais pas si je vais réussir à faire un tour de plus avec le pingouin. Je pense pas. Je pense qu'il va être os. Ouais. Hop. Donc là, ce qu'on va tuer d'abord, c'est les vieux hippocampes. C'est parti. Ensuite, on va essayer d'en tuer. Hop. Au moins deux. Merde. Ça, du coup, je vais prendre bien cher. En plus, ils attaquent tous les toits. Ah, donc là, pas le choix. On va essayer de tous les buter. Tant pis pour les toits. Ça va, j'ai encore pas mal de chance, j'ai pas mal de rôtis qui tombent. Et lui, ça passera pas. Et je sens qu'il va mettre bien cher aussi. Ah ouais, 7000 direct. Ah ouais. Bon, n'empêche que c'est bien. Parce que hop, sur lui, je pense que je vais pouvoir récupérer ma vie du coup. S'il pouvait tenir encore un petit peu. Hop. Impeccable, j'ai récupéré toute ma vie. Là, j'ai pu gagner pas mal de tours, donc j'ai tous mes spéciaux sauf les NR. J'espère que je vais pouvoir tenir 9 tours pour en utiliser un. Donc là, vous avez vu, je vous ai dit, il va me chaîner un personnage. Donc là, j'ai Joz, c'est mort. Allez. Donc là, je sais pas si ça. Donc je vais garder le spécial de Touch en réserve vers la fin pour essayer d'avoir des bonnes orbes. Ah, et puis je fais pas des trucs. Extra non plus. Hop. Allez. Avec un peu de chance, ça devrait passer. Sachant qu'au début, il fait pas énormément de dégâts. Il fait du 6000, mais on a deux tours pour se régénérer un peu de vie. Donc, ça devrait passer. Hop. Allez. Et une petite astuce aussi. Donc, si vous avez le personnage NR, je vous conseille de mettre toutes les barbes à papa qui redonnent de la recovery, donc de la RCV.
Les mettre sur lui, c'est très avantageux parce que là, en fait, son pouvoir de capitaine, c'est récupérer x5 sa RCV. Donc plus vous allez lui monter sa RCV, plus vous allez récupérer de vie par tour. Hop. Un petit rôti, impeccable. Voilà. Alors. Encore 3 tours pour avoir les trucs de NR, ça va être tendu, je pense. Ah, c'est dommage parce que c'est vraiment ça m'aurait bien aidé quand même. Je vais essayer de pas le mettre accroupi. Alors. Là, il m'a annulé un pouvoir de capitaine pendant un tour. Donc là, je vais récupérer moins de vie du coup. Hop, on va faire le pouvoir de touch tout de suite pour essayer d'avoir des belles orbes. En essayant de tenir deux tours. Hop. Donc là, j'ai eu des bonnes orbes, c'est nickel. Faut juste que je tienne encore. Donc là, on va taper. C'est lequel qui a le moins d'attaque? J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. On va taper avec Sanji, c'est pas grave. On sacrifie sa bulle. Hop. Donc là, si je survis. Donc là, c'est bon. Alors. Là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc là, du coup, j'ai moins d'attaque. On va rattendre encore un tour. Et on va utiliser Enea. Donc là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Hop. Parce que là, il va me boost mes dégâts, du coup. Mais je crois qu'il va m'enlever toute ma vie. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment ma vie descendue. Mais là, on peut voir dans ces dommages, ça a vraiment augmenté. Bon, on va utiliser le spécial de Sanji. Hein. Ça serait bête de perdre à 5000 points de dégâts près. Ouais, c'est parti, on se lance. Allez. Hop. Et voilà, c'est vraiment passé nickel. J'aurais pensé avoir plus de difficultés, mais une fois que vous avez les spéciaux de Enea, ça passe très facilement. Hop. Et là, comme vous le faites en 40 stamina, vous avez barbe noire automatiquement. Et voilà. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!